Alvar Aalto est un des maîtres de l'architecture du XXe siècle. Ce qu'il a apporté au modernisme, c'est, je dirais, une touche humaine. Hein, l'usage du bois, la forme courbe, et puis l'attention à l'usager. Donc c'est une maison qui a toujours été habitée. Et donc, elle a du coup conservé son aspect de demeure où les gens ont vécu et on a presque l'impression qu'ils sont là encore. En tout cas, leur esprit est là. Le couple Carré a vécu ici donc de 1959, Louis Carré jusqu'à sa mort en 1977, et puis sa veuve Olga est restée dans la maison jusqu'en 2002. Ce qui manquait un petit peu à cette maison, donc quand elle a été achetée par l'association Alvar Aalto en France en 2006, c'était les œuvres d'art. C'est une réalisation assez unique puisque elle prend en compte tout, hein, le jardin, hein, les bâtiments, la maison, le garage, une piscine et également le design intérieur puisque tout est dessiné par l'architecte, hein, et ses collaborateurs. Et de plus, c'est une maison qui est très bien préservée et où la plupart des pièces originales sont toujours en place.